have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. Bonjour. Ici, la nuit a été bonne, mis à part le fait que j'ai pas réussi à manger hier soir. J'ai mon dernier repas, c'est le barbadian au goûter. Trop envie de vomir. Donc là, j'ai toujours rien mangé. Je vais quand même essayer de manger un truc parce que j'ai une grosse journée de tournage. Il va falloir de l'énergie. Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing in my head and Rio, je t'ai acheté un panier. C'est de pia, j'ai des cartons de partout. Non, j'ai pas à manger. Ce n'est pas possible. On va tout virer. Plus de choix. Journée intense, mais recette de ouf. Pendant très longtemps, j'utilisais ce filtre dans presque toutes mes stories. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mentais et que je vous mentais. Parce que vous avez vu ma gueule dans la story précédente, on a vu les cernes, on a vu la fatigue. Et là, j'ai perdu 10 ans. C'est incroyable comme ça modifie la tronche. Et maintenant, c'est vrai que ça va faire plus d'un an que je fais toutes mes stories avec zéro filtre. J'en mets de temps en temps, voilà. Mais c'est vraiment purement esthétique pour mes stories et c'est extrêmement rare. Mais je me verrai plus, honnêtement. Je pense que là, j'arrive à un cap où j'ai vraiment pris conscience de cette modification, que c'est pas moi. Et en vrai, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes stories depuis que je suis moi, sans filtre. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, parce que beaucoup de nanas mettent tout le temps des filtres. C'est important à souligner, mais j'étais arrivée dans une période où je supportais plus faire des stories là comme ça, sans filtre, parce que j'étais habituée finalement à me voir avec ce filtre qui me rendait la peau parfaite, le teint parfait, la gueule parfaite, les cheveux parfaits. Et ouais, les premières stories le matin pas maquillée, ça a été un vrai challenge, je vais pas vous mentir, mais une fois qu'on y arrive, on se dit mais putain, mais en fait c'est ça la vie, on est tous pareils, hein. On a tous des cernes, on a tous une sale gueule au réveil, enfin je crois, non? Surtout de mon côté, c'était ce besoin de vous partager cette vérité, parce que je suis entière sur les réseaux, sur YouTube, je suis moi, je suis comme je suis dans la vraie vie, et j'avais envie d'avoir cette vérité dans les stories, que ce soit physiquement. Parce que moi-même, en fait, je connais cette comparaison qu'on peut avoir quand on voit des nanas sur Insta toujours parfaites. Et en fait, je me suis dit, mais merde, moi aussi, je suis en train de rentrer là-dedans et de faire croire aux gens que j'ai toujours une peau et une tête parfaite. Alors que non. Petite parenthèse imprévue, mais nécessaire. Aimez-vous, bordel. On passe tellement de temps à se détester, la vie est trop courte. Et je sais que c'est dur, moi aussi, hein, je passe par ces phases-là. Mais il faut qu'il y ait plus de phases où on s'aime et où on s'assume. T'as toujours pas compris le principe, quoi. Oh, mais la longue. Mais comme demain, dans une grande saucisse. Hein. C'est pas comme ça. C'est normal que c'est pas confort, là. Mais qu'est-ce qui me fait.